Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la seconde partie du FAQ. Donc désolé, ça fait 5 jours, je ne voulais pas faire la suite. Donc voilà les amis, on va continuer. Hein. On va continuer. Donc l'intro, on va pas s'embêter, je vous ai mis l'intro au début. Voilà. Donc voilà, il vous reste encore quelques questions, 3 pages de questions. Voilà, donc pas dans l'ordre, mais bon, je vous inquiète pas. Tout le monde va y passer, de toute façon. Go, c'est parti les amis. Alors on va commencer. Je vous ai dit, je sais plus. Je sais plus. Dans l'ordre que j'ai mis à la base. Ah si, il y avait Valentine VS, je sais plus. Alors il lui restait 2 questions, je crois. Alors Valentin VS. Alors, suite de j'ai une de tes vidéos. Console test que tu as avoir récupéré un Silent Hill. Aimes-tu cette série? Y as-tu joué? Alors Silent Hill, non, je dois l'avouer, je l'ai pas vraiment été dedans. Mais ouais, je connais Silent Hill, j'ai déjà joué une fois comme ça. Mais ça m'a pas autant accroché qu'un Resident Evil par exemple. Même si tout le monde dit que c'est un excellent jeu, ça, je dis pas non. Après, moi, je peux pas te dire que est-ce que c'est un bon jeu, c'est pas un bon jeu. Ça, je peux pas te le dire. Je l'ai pas vraiment été dedans. Voilà. J'espère que ta réponse te convient. Et la cinquième question, tu m'avais dit, aimes-tu Asterion? Car personnellement, j'ai beaucoup ce mal avec lui. Bah moi j'aime bien Starion, même si tout le monde dit que si cela, ça c'est son choix, son problème. Moi je veux pas le critiquer, c'est pas mon délire, c'est pas mon but sur ma chaîne, je critique personne, il fait ce qu'il veut. Je sais que sa communauté connaisse ma chaîne, je sais ça je vous le dis, sur ma chaîne, que tout le monde connaît ma chaîne YouTube. Et c'est peut-être pour ça que j'ai atteint un stade d'abonnés assez élevé grâce à lui. Donc je le remercie à lui quoi, comme toujours. Voilà. Voilà, moi je critique pas, c'est pas mon délire, moi je suis pas là pour ça, je suis là pour partager. Voilà. Voilà l'ami. Ensuite, il y a JP Gaming. Salut l'ami, petite question pour ton FAQ. Quelle console tu cherches plus nous pour ta collection? La console que j'aimerais bien chercher en général. J'aimerais bien récupérer la Neo Geo, mais il faut pas rêver. Moi, ouais, c'est une console que j'aimerais bien choper. C'est vrai que c'est un truc que je me ferais vraiment rêver d'avoir une Neo Geo. Voilà, si tu veux savoir. Mais sinon, en général, les consoles, j'ai pu récupérer la Super Nintendo, la NES, la GameCube peut-être, je sais pas. La Xbox, ça me fait plaisir de l'avoir quand même chopée. La PS2, bien sûr, enfin, j'en achète d'autres aussi, des PS2, des versions. Enfin voilà, je suis assez content. Et les Game Boy, bah, les portables. Ah, j'ai chopé la Game Boy, j'ai chopé la PS Vita, enfin tout ça quoi. Et même la PSP en boîte, la première version. Ça c'est cool de l'avoir en boîte. Ensuite, voilà. Cygène Zone. Je sais pas si tu vas comprendre. Tu vas comprendre peut-être ta question. Salut ta FAQ l'ami. Dis-moi, c'est quoi ton projet en cours du futur pour ta chaîne? Mes futures vidéos, bah pour l'instant je sais pas. Ce que je peux vous dire c'est que je vais avoir un nouveau portable. Normalement je vais le récupérer mardi. Je vous montrerai une vidéo achat téléphone. Vous verrez ça. De toute façon j'ai une autre vidéo à vous proposer. Voilà. Parce que récemment je vais récupérer mon téléphone à partir de mardi. Je serai en vacances. Donc voilà. Donc ouais, mes projets. Bah pour l'instant, bah c'est faire des gameplays, continuer mes gameplays, continuer des vidéos, partage avec des abonnés, continuer les achats tant que j'ai de la place, vide grenier aussi, et autres vidéos que je fais. Et bien sûr, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est à thème, j'aimerais bien vous continuer d'ici dans l'année, des vidéos de ce style-là, parce que là j'ai un peu arrêté. Tout ce qui est top, tout ça, mais c'est parce que je fais d'autres vidéos principalement. Mais quand c'est des vidéos intéressantes que j'aime bien vous faire et vous aimez bien, bah, je vous fais varier les vidéos quoi. Pour changer un petit peu quoi. Voilà. Bah là récemment je vous ai montré des collections. Ça fait plaisir de vous avoir montré ça. Et apparemment ça vous a fait plaisir. Vous avez regardé. J'ai eu pas mal de vues quand même. Donc ça fait plaisir.
Voilà. Ensuite, si tu devais arrêter les jeux vidéo, vous quel genre de passion t'aimerais-tu? Pour l'instant, j'ai d'autres passions à part les jeux vidéo. J'aime bien les films, j'aime bien les séries, j'aime bien les mangas, j'aime bien les dinosaures. J'ai des passions hors dehors des jeux vidéo que j'aime bien. Hein. Donc voilà, non, au pire sur YouTube, au pire je vous fais d'autres contenus. Par exemple, j'aimerais bien un de ces quatre vous faire un vlog sur autre des jeux vidéo, bien sûr. Je vais peut-être un de ces quatre partir un week-end, partir en montagne et vous faire un super vlog, un partage. Faire une vidéo balade aussi, surtout ce genre de vidéo, et vous partager ça pour changer un petit peu quoi. Des fois ça fait plaisir de vous faire autre chose hein. J'aime bien vous varier les vidéos, moi j'adore, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Après tu m'as encore dit ta copine pourrait elle faire des gameplays sur des jeux vidéo préférés. Malheureusement non, elle fera pas de gameplay, voilà, c'est pas son truc. Ensuite, rétro game. Alors, salut Alex, quand est-ce que tu vas te couper les cheveux? Bah non, je ne me coupe pas les cheveux parce que je vais avoir un look de Daryl. Voilà. C'est pour ça que mes cheveux sont. Je les taille un petit peu de temps en temps, mais voilà. Non, j'aime bien avoir les cheveux longs. Je commence à t'habituer à force. 3 ans maintenant, j'ai dû lécher mes cheveux. Voilà, tac, réponse. Chose. Alors, il y a. Chose et harmonique, j'espère que c'est ça. J'espère que tu reconnais ta réponse, ta question. Salut poto, quel jeu et ou la console que tu rêveras, je trouve en brocante. Est-ce que je vais retrouver dans les brocantes à petit prix. Bise, elle me dit. Ouais. Alors en brocante, est-ce que je arriverai? La dernière fois, j'ai failli prendre une PS2 en. Putain, j'étais dégoûté quoi. En bon prix, hein. Franchement, il était à 20 euros avec des jeux quoi. Et quand je suis retourné le week-end, la brocante était annulée, donc j'étais un peu vert quoi. Ouais, j'aimerais bien trouver un. Une fois, j'ai trouvé une PS2 à petit prix, hein. PS2 à 20 euros. Ah si, je vous ai trouvé une DS à 2 euros quand même. Donc c'est à petit prix quand même. Si tu veux savoir. Pas regarder ma vidéo brocante, tu verras, j'ai trouvé une DS à 2 euros hein, en brocante. Franchement, j'étais hyper content. Voilà, la meilleure pièce, enfin, la meilleure pièce que j'ai eu à ce prix-là, c'était la DS. Voilà, j'espère que ta réponse te convient. Ensuite, salut Michael Gaming, salut poto, je te connais bien, toi. Alors, pour ta FAQ, comment fais-tu des montages? Alors, comment je fais les montages? Alors, les montages, comme tu vois. Ici, tu verras en bas de mon écran, je rajoute c'est Power Director. C'est une application où tu fais des montages. Tu peux carrément faire des miniatures. C'est ça qui est bien. Tu peux rajouter des titres, des phrases. Tu peux couper tes scènes en mettant dans l'application. Tu peux rajouter des fenêtres par-dessus. Tu peux même réduire le son. Tu peux tout faire. Donc, tu vas à l'application. Tu télécharges cette application que tu vois en bas. Et puis tu le télécharges, franchement c'est tout con, mais c'est super bien. Franchement c'est tout bien. Tu peux faire sur ton ordi ou sur ton portable. Franchement vraiment je te conseille hein, et c'est vraiment basique. J'ai donné beaucoup de conseils à Seigneur Aventure, à d'autres hein, abonnés, ils ont utilisé cette application là et ils aiment bien. C'est grâce un peu moi que je leur ai conseillé ça et ils le font quoi. Après je sais pas comment enlever cette phrase là, mais moi ça me gêne pas. Pas très grave quoi. Voilà, donc j'espère que ta réponse te convient. N'hésite pas à aller voir, à télécharger cette application et puis tu verras. Voilà, bon à plus, c'est Michael. Allez, maintenant je passe à Croise Essence 36. Salut l'ami, comment tu vas? Ça fait longtemps. Alors, toujours en train d'acheter des DVD, toi, j'ai remarqué. C'est quand t'achètes des jeux vidéo? J'aimerais bien voir tes jeux vidéo, moi. Voilà, bon après, je pense que toi t'es à fond dans les DVD, je pense. Voilà, alors salut Alex, question, quels sont tes films préférés? Voilà, il me parle de films. Mes films préférés, moi c'est dans les films d'horreur, moi c'est Massacre à la tronçonneuse. En film français, moi c'est Tais-toi, le film français, j'aime bien ce film, Tais-toi. Et puis je sais plus.
Bon, j'ai tellement de films que j'ai maintenant. Voilà. Voilà. Ensuite, Charlie Game Show, Guy. Alors, salut Charlie. Hello, l'ami. J'ai deux questions. Comment vas-tu? Comment va voir vois-tu les jeux vidéo évoluer dans quelques années? Bah, je sais que le rétro gaming va se faire rare, va se faire encore plus cher, ça c'est sûr. Et puis l'avenir du récent, bah, ça va être de plus en plus évolué, hein, je pense. Voilà. Et ta deuxième question, quel est le projet pour ta collection plus tard? Rangement, vitrine, meubles. Bah, j'espère déménager, c'est ce que j'espère le plus. Donc je sais pas quand. Ma copine prépare ses projets elle pour elle aussi, pour plus tard quand elle et moi on vive ensemble. Ça sera pas pour tout de suite. Et puis j'espère bah, évoluer mes recherches d'appartement. Parce que j'ai en train de faire des demandes, mais c'est un peu long. C'est pas pour tout de suite, toi. Ouais. Voilà. J'espère que ta réponse te convient, Charlie. Ensuite, Christophe VG Geek. Salut l'ami, comment tu vas? Quelle est le meilleur affaire que tu as fait envie de grogner sur PS2? Sur PS2, bah, je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai trouvé des jeux une fois, mais je peux pas te dire les noms. J'ai fait une vidéo une fois, mais j'ai trouvé des belles pièces quand même sur PS2. Par contre, en console, je peux te dire, c'est la DS. La DS rouge. J'ai eu à 2 €. Voilà. Voilà. Alors ensuite, alors il y a marqué, alors il y a Fistal, style, après ton full set PS2, tu voudrais faire quelle console bientôt? Bah là déjà, à part le PS2, je fais le full set Game Boy. Le Game Boy, j'aime beaucoup les acheter, je vais tous les avoir. Et en plus, ce qui est pratique avec les jeux Game Boy, c'est que je peux ranger dans des boîtes. Donc les boîtes, ça prend pas beaucoup de place. Donc je vais essayer de faire un full set de Game Boy. Et peut-être Game Boy Color, Game Boy Advance, sûrement. Voilà. Pour l'instant, je me concentre sur la Game Boy parce que j'aime bien le rétro. La Game Boy, c'est du rétro, quoi. Et puis, je pourrais vous faire des tests. Voilà. J'espère que la réponse te. Attends. Ouais, c'est ça. J'espère que ta question te convient. Ensuite, il y a Stick de Geek. Alors, Stick de Geek. Salut l'ami, mon ami, le Stick de Geek. J'espère que tu viendras bientôt chez moi. J'espère, tiens-moi au courant en privé. Alors, salut Alex, quel est ton meilleur souvenir dans les jeux vidéo? Bah, mes meilleurs souvenirs, c'est c'est les jeux Super Nintendo. Moi, c'est des jeux qui m'ont bien marqué. Et la PlayStation. Voilà. Et un peu la Mega Drive, j'ai quand même testé par exemple Aladdin, avec un chien pote, c'était un très bon souvenir, ce genre de jeu. Voilà, donc ensuite la deuxième question, combien de meufs que as-tu attiré dans ta gaming room? Ah d'accord, non, j'ai aucun serré, mais merci quand même de ta question. Voilà, on arrive à la dernière page, ça y est, on va arriver à la fin du FAQ. Alors, il y a marqué, il y a alors Negan YTP. Salut l'ami. L'ami, j'espère que tu vas bien. Penses-tu que la dernière saison de The Walking Dead sera le meilleur de toi, de tout? Bah, moi, la série, apparemment, je pense que la meilleure saison qui va être marquante, je pense, ça va être la dernière saison. Après, moi, la saison avec les chuchoteurs m'ont bien marqué quand même. Je te l'avoue, la saison 10 était vraiment intéressante, franchement. Après, ma meilleure saison qui m'a aussi bien marqué, c'était la partie Negan. Franchement, l'histoire de Negan était vraiment sympa. Et puis, j'ai hâte de, bah, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Voilà. Voilà, ta réponse, l'ami Negan. Voilà. Allez, Manu, entre nous pour des jeux vidéo. Allez, salut l'ami, comment tu vas? Comptes-tu prendre un appartement avec Fanny? Oui, j'espère un jour. Et est-ce que tu fais une gaming room? Ouais, bien sûr. Bah, dès que j'aurai un appart, je fais une gaming room. Ça, c'est sûr. J'arrêterai pendant un moment les vidéos et je vais me concentrer sur l'installation. Donc voilà. Voilà. Alors voilà ta réponse, l'ami. Yo-yo, salut à toi. Petite question. Est-ce que tu reviendrais tous les autres. Attends, tu revendrais toutes tes consoles en jeu vidéo pour la PC. Pourquoi finir une full set?
Non, je te promets, je vendrai pas ma collection. Même si je fais le full set, je vendrai pas. Parce que c'est des jeux que je voulais aussi. Il n'y a pas que le PS2, il y a aussi le rétro gaming par rapport à Sony Aventure. Bah lui, il fait que de lui Sony, mais moi je fais un peu de tout, je varie un peu, je veux pas faire que de la PS2. Je voudrais vraiment avoir un peu de tout, des jeux qui m'ont quand même aimé, qui m'ont marqué, et que des jeux que je voudrais découvrir et vous faire découvrir à vous, à partager sur YouTube. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, alors, attends, tu me dis. Alors, il y a LMT Ocelot. Quelle est la plus belle pièce que tu dans de ta collection et combien de jeux manga manque que je te manque-t-il pour ton full set PS2? Alors déjà la meilleure pièce pour moi c'est Monster Hunter. Je suis content de l'avoir trouvé PS2. Je suis enfin le trouver et bien sûr est-ce qu'un jour je vais finir à full set? Bah je sais pas. Je pense pas que je l'aurai fini mais j'ai déjà 922 jeux déjà. Déjà aujourd'hui, je vais en avoir d'autres au cours des colis que je vais avoir. Pour l'instant, je risque pas d'avoir fini, mais bon. Et en plus, il va manquer de place, donc voilà. Ensuite, Gilles Did, depuis combien de... Alors, Gilles Did, salut. Depuis combien de temps avec ta Fanny? Bah, moi, avec Fanny, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Voilà, si tu veux savoir. Alors on arrive à la fin. Alors Menzing, salut l'ami. Alors une question, qu'est-ce que on... Attends, qu'est-ce que quel A peut se rencontrer un jour? Est-ce qu'on peut se rencontrer un jour? Bah si t'es à mon Facebook et quand tu me contactes, on peut se voir. Hein. C'était sur Paris, oui. Si j'ai le temps, oui, bien sûr. N'hésite pas, bah tu tapes, tu regardes sur ma chaîne, tu regardes mes distributions, c'est Alexandre Figuère, tu me tapes si tu me retrouves. T'as pas mon Facebook, puis voilà, il y a un Daryl dessus, tu peux pas me rater. Voilà. Ensuite, Tonton Med, alors comme verras-tu l'avenir, comment tu verrais l'avenir de ta collection? Bah, pour l'instant, mon avenir, bah, j'espère que ça restera, que je serai pas obligé de vendre niveau pour pas perdre si je m'en manque d'argent tout ça. J'espère pas. Ah, voilà. J'espère que ta réponse te convient. Et as-tu alors et la dernière question? As-tu. Attends. Ah, j'ai pas compris. Ah, en un temps. Gramme, un peu. Ah, je suis désolé, j'ai pas compris la réponse. Désolé. Bon, bah, je suis désolé, là, j'ai mal écrit. Je suis désolé, j'ai pas compris ta réponse. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis désolé, bon, moi, je t'ai répondu une question. Voilà, donc, cette FAQ est terminée. Donc, elle est un peu plus courte que celle de la dernière fois. Heureusement. Donc j'espère que toutes les réponses vous aura plu. N'hésitez pas à aller même voir à la dernière vidéo. Donc ce sera la FAQ partie 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et puis bah, les prochaines vidéos, bah ah oui, la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire. Je vais aller voir Didi Newalker. On va se voir et je vais lui faire un petit échange. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais lui échanger. Alors en fait je vous explique sur cette vidéo que en fait lui il va me filer un jeu PS2 que j'avais pas, enfin j'avais mais en version pas en version édition et en même temps il m'a dit qu'il verrait s'il va me jeter un petit jeu avec, un petit jeu pas cher, voilà je me suis dit t'embête pas et moi je vais lui proposer un échange, je vais m'en séparer les amis mais c'est parce que c'est Didin Walker et lui il cherche des Pokémon donc je vais lui rentrer celui-là. Et je vais lui me séparer de celui-là et lui il le voudra donc je te montre en vidéo. Voilà donc voilà et je lui montre qu'il était complet tout ça. Donc voilà lui il le cherche en général et moi je lui dis bah je l'ai si tu veux bah je te le file. Hein. Moi je lui prendrai un Scarface en édition. Les amis vous allez voir belle édition et il l'a acheté même pas. Il l'a acheté pour que dalle dans une brocante. Je crois qu'il a fait ça dans sa dernière vidéo. Franchement. Bah, j'ai hâte de l'avoir et puis il me fera un autre truc je crois. Un petit truc comme ça. Il m'a dit parce qu'il m'a dit que le jeu il lui a coûté que 2 balles, 2 euros. Alors du coup il m'a dit bah si tu veux je te prends un autre truc, ça fera équivalent de ton jeu. Je dis ok, bah pas de problème, bah il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc on se retrouve pour une prochaine. Ciao les amis. Abonnez-vous.